Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture car j'ai fini mes deux lectures précédemment piochées dans ma bookjar. Donc je vais commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Donc j'ai terminé Les étoiles en moi de Andrea Seigel et Brent. Comment il s'appelle lui déjà? Ils sont deux. Brent Bradshaw. Donc c'est sorti aux éditions Hugo Roman dans la collection Way, il me semble. Et ça a été une grosse déception. Voilà, je m'attendais à beaucoup beaucoup mieux. J'en attendais beaucoup. C'est peut-être pour ça que, mais j'ai pas été la seule à ce que je vois, à pas avoir aimé, à m'attendre à mieux 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 que ça. Donc c'est surtout la couverture qui m'avait fait craquer, hein, voilà. Et le résumé, je veux dire, le peu que j'en savais, ça m'avait donné envie. On retrouve donc deux personnes, deux jeunes, donc une fille et un garçon, donc qui vont participer à une émission de télé-réalité qui s'appelle Spotlight. Donc c'est un peu à la Star Academy, voilà. Donc moi qui ai bien aimé ce genre d'émission, je les ai pas toutes regardées, j'ai pas regardé toutes les saisons, mais au début j'étais relativement assidue, donc j'aimais beaucoup. Donc là j'en attendais pas mal de ce bouquin, mais clairement tout est survolé et non, c'était pas, je m'attendais à vraiment mieux. Là on sait pas trop ce qui se passe dans le manoir, on sait pas trop ce qui se passe. On voit, on n'a même pas les répétitions, les lives. Enfin, franchement, c'est, tout est réduit et on n'en a que pour les personnages principaux, en fait. Et elle m'a fortement agacée. Lui, encore, ça passe. Donc là, on est avec Magnolia, qui a 17 ans, qui participe à l'émission parce que sa mère voudrait devenir célèbre et tout, et là elle utilise sa fille pour être un petit peu dans la lumière, et enfin je trouve ça naze déjà. Donc elle le fait, mais voilà. Et c'est une fille qui sait pas trop ce qu'elle veut, elle, voilà, elle fait tout pour faire bien devant les autres, pour montrer une image qui n'est pas vraiment elle. Donc c'est, il y a beaucoup de mensonges, enfin c'est juste du paraître, enfin elle passe son temps à se cacher. Bon, elle m'a saoulée clairement. Et le deuxième personnage c'est Ford, qui lui est un peu plus intéressant. Lui il vient d'un milieu pas facile, donc cette émission pourrait lui permettre de changer sa vie. Clairement, donc il est, c'est le bad boy, mais enfin qui ne voudrait plus l'être, mais qui enfin voilà, le passé vous rattrape toujours, donc il va se passer pas mal de choses pour lui. Et voilà, il y a, ces passages-là étaient relativement intéressants, mais Magnolia, elle m'a clairement saoulée. Donc même là, on se doute qu'ils vont finir ensemble, hein, on se doute qu'il va se passer quelque chose entre eux, mais non, c'est pas abouti pour moi, c'est pas, ça aurait pu être tellement mieux, tellement mieux. Donc voilà, je sais plus quelle note je l'ai mis, je l'ai pas mis un super 15 sur 20, parce que ouais, c'est pas, je m'attendais à mieux, mais franchement. Donc je voulais essayer de faire les articles de blog juste après, je pense. Je vais essayer de m'y atteler, me remettre un petit peu dans le bain, parce que je suis pas très très en forme en ce moment. Donc je vais essayer de faire ça pour pas trop trop bouger. Je vais rester dans mon lit et faire ça, mettre les deux articles sur le blog pour être tranquille, gagner un petit peu de temps. Ensuite, donc j'ai lu Nos faces cachées d'Amy Harmon. Donc lui il fait 434 pages. C'est dans la collection R, il me semble, de chez Robert Laffont. Et c'est sorti au mois de janvier 2015. Et j'ai adoré. C'est vraiment un coup de cœur. Ce livre m'a porté. J'ai pas mis trop trop longtemps à le lire, je crois. J'ai mis moins de 5 jours.
vu que je ne lis que pendant mes heures de boulot et un petit peu le soir avant de dormir. Voilà, je me suis. Et il y a des moments où je me suis freinée un petit peu pour pas trop. Il y a des passages qui. Je fais, non, je veux pas savoir, je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas qu'il se passe ce que je crois, ce qui va se passer, donc je veux. J'attends un petit peu. Donc voilà. Mais ça a vraiment été un pur moment de plaisir. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré, franchement. Voilà. Et c'est pas qu'un passage, enfin voilà, j'ai souvent eu. Voilà. Mais vraiment, hein. C'est pas juste les larmes aux yeux, quoi. J'ai vraiment chialé comme une madeleine. Donc, trop, trop, trop belle histoire. J'ai adoré. Donc, là, nous avons. Enfin, c'est un point de vue externe, hein, mais on. Un petit peu voyeurisme. Hein. C'est un petit peu tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde, mais on a surtout. Donc ça a peut-être bougé, j'ai dû aller vider ma carte SD, voilà. Donc je sais plus trop où j'en étais, à part que je vous disais que nos faces cachées c'était un coup de cœur. Donc c'est l'histoire donc de jeunes qui sont dans leur dernière année de lycée. Donc vous avez Fern qui est pas très jolie. Qui est toute maigre avec des grosses lunettes, un appareil dentaire, enfin voilà, avec plein de taches de rousseur, elle est rousse, enfin voilà, on la compare à Fifi Brin d'Acier, voilà. Et de l'autre côté, vous avez le beau gosse qui est capitaine de son équipe de lutte, et, à qui tout réussit, qui s'appelle Ambrose Young. Donc Fern est amoureuse de lui depuis le premier jour où elle l'a vu. Donc elle était déjà toute jeune, hein. Donc voilà, elle est amoureuse de lui depuis toujours. Mais voilà, lui c'est comme s'il la voyait pas. Hein. Donc voilà, Fern s'occupe de son cousin depuis. Enfin, ils ont le même âge, ils sont nés à très peu d'intervalle. Lui est myopathe. Il est en fauteuil depuis un petit moment maintenant. Il peut à peine bouger les bras. Enfin voilà quoi, ça me fait un peu penser à Intouchables sur cette partie-là. Et voilà, son cousin Bailey est super touchant. Il a toujours le mot pour rire. Enfin, il est vraiment adorable. Et elle s'en occupe tout le temps. Voilà, quand il faut le conduire quelque part, elle le conduit. Elle s'en occupe au lycée. Parce que bien sûr, tout n'est pas adapté forcément pour lui. Donc j'ai vraiment aimé cette histoire. Donc on se retrouve des fois dans le présent, des fois dans le passé. On a pas mal de souvenirs qui remontent à la surface. Et c'est. Il y a des choses horribles qui se passent. Je sais pas trop comment vous expliquer pour pas trop vous spoil en fait, c'est très compliqué. Mais quand on arrive dans le roman, on les retrouve en cours de maths. Et le professeur déjà arrive en retard. Et quand il arrive, il allume directement le téléviseur qui se trouve dans la salle. Et ils assistent toute la classe aux attentats de World Trade Center, en fait, ils voient le second avion arriver dans la seconde tour et ils vont voir la première tour s'effondrer. Enfin voilà, c'est pour des jeunes qui sont eux-mêmes aux États-Unis, certains dont Ambrose a sa mère qui travaille dans l'une des tours, donc ça touche un petit peu. Et on peut s'identifier, on sait que c'est un roman qui est récent en fait. On peut vraiment s'identifier au personnage. C'est très troublant. Donc Ambrose va pas très bien le vivre parce que il ne sait pas si sa mère est toujours en vie ou non. Et il va y avoir le côté patriotique qui va être traité dans ce livre, et c'est très touchant. Enfin,
En France, on n'a pas ce même mouvement, je trouve. On a beau avoir eu des attentats ou autres, je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup plus de jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée française. Je pense pas que ça ait eu un. Je pense pas. Non. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais je pense pas que ça ait. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses, les Américains et nous. On n'a pas la foi, on n'a pas. On n'est pas. Non. On n'est pas patriotique du tout. Je pense pas. Enfin, moi, je ne vois pas les Français comme ça. Hein. Franchement, non. Moi, je les vois, ils s'en foutent un petit peu de tout et de tout le monde. C'est s'ils pouvaient vous marcher dessus, ils le font. No soucis. Donc là, c'est vraiment très touchant de voir ces jeunes qui s'engagent et. Bah vous savez tout de suite que tout le monde ne reviendra pas et c'est vraiment très. Parce que forcément il y a des séquelles, il y a toute la ville d'Anna Lake en Pennsylvanie va se retrouver touchée et c'est vraiment très émouvant, très dur. De se mettre à la place des familles qui perdent leurs enfants, qui les récupèrent, mais qui les récupèrent. Voilà. Je veux pas trop vous spoil, donc ça me saoule en fait. Je sais pas trop quoi vous dire, mais à part, lisez-le, franchement, il est vraiment très très très. C'est un très 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 beau livre. J'ai juste été un petit peu déçue par rapport à la fin, parce que je. Et l'épilogue, j'ai trouvé un petit peu trop court en fait. J'aurais voulu que l'auteur nous fasse partager un petit peu plus de leur quotidien au niveau de la fin. J'aurais bien aimé faire partie, être là pendant les événements heureux. Enfin, je veux pas spoil, ça me saoule. Mais voilà, il manquait juste un tout petit chouïa, enfin voilà, mais j'ai vraiment adoré et préparez vos mouchoirs, franchement. Donc celui-ci, par contre, je lui ai mis 20 sur 20, je crois. Ouais, j'étais trop. Voilà, ça m'a trop plu. Enfin voilà quoi. Ambrose Young, je t'aime aussi. Voilà. Mais je vous conseille fortement ce bouquin. Le premier. Si vous êtes vraiment très jeune, voilà, si vous avez dans les 11-14 ans, allez-y. Voilà. Mais celui-ci, foncez, franchement. Donc je vais tirer avec vous au sort ma prochaine lecture parce que bah, du coup, j'ai dû entamer un autre livre parce que celui-ci, je l'ai fini le 20. Et j'en ai entamé un autre en attendant, un que j'avais pris à la bibliothèque municipale. Donc voilà, les 100, je voulais le lire. Là, j'ai déjà lu deux chapitres. Bon, je suis fan de la série, donc je voulais absolument le lire en fait. Voir, il y a déjà quelques petits points qui sont pas exactement comme dans la série, mais bon, c'est pour ça que je veux le lire. Hein. Donc je tire avec vous ma prochaine lecture qui sera ma lecture prioritaire car celui-ci, j'ai du mal à lire papier. Hein, donc au boulot, j'ai essayé mais j'ai. Non. C'est chiant de prendre que la liseuse c'est devant et puis voilà. J'ai juste à mettre un bout de doigt et hop la page elle se tourne que là il faut tout le temps l'ouvrir, le fermer entre deux clients donc c'est vraiment pas pratique. Donc celui-ci je vais le lire essentiellement le soir. Donc voilà. On tire au sort. Ça fait un moment que j'en ai pas rajouté dedans. Je sais même pas si je suis à jour par rapport à mon dernier book haul. Mais bon c'est pas grave. Hein. Vous voyez qu'elle est suffisamment pleine. Viens là toi, c'est toi. Alors, je suis tombée sur. Celui-là, j'y ai pensé ce matin. J'ai vu une photo de la couverture
sur Instagram et je me suis dit, ah, j'ai trop envie de le lire et je tombe dessus quoi. Veux-tu m'épouser 100 fois? Donc de Holly Martin. Holly Martin. Donc c'est un livre que Chouchou m'a offert pour Noël. Et du coup c'est un livre, c'est pas un e-book. Donc va peut-être falloir que je me le télécharge pour l'avoir sur ma liseuse, pour que ce soit plus simple pour moi de le lire. Donc voilà, je l'ai vu ce matin sur Instagram et elle disait que c'était super, je sais même pas qui c'était, mais que c'était super drôle, super fun. Ah, c'est Galéane, je crois. Je crois que c'est Galéane qui est en train de le lire. Donc voilà, je suis super contente parce que oui, il a l'air d'être vraiment fun. Donc voilà, donc je vais aller me télécharger ça pour l'avoir sur ma liseuse le plus rapidement possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie bah, de lire Nos Faces Cachées, foncez! Parce qu'il est vraiment trop 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 bien. Et je vais de ce pas aller faire mes articles sur le blog, quoique j'ai encore une autre vidéo à tourner juste derrière. Mais je vais faire ça, promis, ouais. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!